Il était vrai dans le commencement, il était vrai quand les âges ont débuté, vrai est également maintenant. Sadhguru Nanak dit qu'il serait certainement vrai à l'avenir aussi. Tandis que ce mot immortel du magique saint de Gurbani n'importe où ici, dans cette vaste étendue d'un désert froid, milliers de pieds au-dessus de la mer, parmi le starkness du paysage, dans la chaleur d'un gurdwara, leur essence devient de façon ou d'autre claire de cristal. Ce gurdwara minuscule, Gurdwara Shri Patal Sahib est situé sur la route de Srinagar Lake, juste à 25 km de Lake. Meilleur connu, non seulement réalisateur de Guru Nanak, de phases et méditation, il a également combattu un démon. Tibet, Nepal, Sikkim, Hundehoye Jharkhand de raste, Leh de vich pahunche ne. ਕੁਝ ਦਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਬਾਲਾ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਨਾਲ ਸੀ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਦੇ ਸੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰ ਰਾਕਸ਼ਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਟਰਨ ਵਾਈਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਕਸ਼ਸ ਦੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਕਸ਼ਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਿਆ ਪੱਥਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋਇਆ ਉਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਮੋਮ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੱਥਰ ਪਿੱਠ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਲਾਮਾ Nanak Lama et Guru Rinpoche étaient les noms donnés à lui par les locaux pendant son séjour et jusqu'aujourd'hui, ils révèrent comme le leur. Guru Rinpoche est un homme qui a été Lama Guru Comme tous ceux qui voyageaient, cet arrêt de route par moment, Gurdwara Patal Sahib. Les dévots pour payer l'obéissance, les curieux pour savoir plus au sujet de cet endroit étranger de pèlerins et les affamés pour apprécier l'hangar très chaud au repas de la cuisine, des communautés disponibles à tout moment du jour, ou tout le merci à l'armée indienne qui contrôle Gurdwara Patal Sahib. De sorte que ceux qui viennent cherchant le retour divin de la présence du Lama de Guru est touché par lui encore et encore. Plusieurs années passées, peut-être dans le mythe, peut-être en réalité, Ramajamul Hasham était hors chassé quand quelque part dans la forêt trouvait un tigre et une chèvre côte à côte buvant l'eau ensemble. Et ils décidèrent immédiatement pour construire une ville sur tel sacrifice de sol et ainsi être soutenu la ville Jammu.
Mais alors peut-être que ces mythes, légendes de l'histoire avaient quelques éléments de vérité dans cela et que, pourquoi dans le présent époque, quand il y a différence et religion intolérance, sont les ordres du jour. Dans cette ville de mosquée de Jammu et temple, ils existent côte à côte. Jammu est connu comme une cité de temple, mais c'est aussi un territoire de Chérine depuis de certaines années, connu comme Ziarat ou Zarga. En n'importe quel temps, et en particulier un jeudi, hindou et sikh, loin de passer en nombre, le musulman de Chérine, et croient fermement que c'est la présence de Chérine qui protège leur ville de tout mal. Tout le monde est la bienvenue ici. Et tout le monde est égal. Et chacun prie dans ses propres manières. Personne pour le moment fait l'action de sa présence pour menacer ou pour contredire d'autres. Ces ziarats de Jammu sont un exemple parfait de notre religion et de culture syncrétisme. Rouge et verte, deux couleurs différentes représentant deux différentes fois, hindouisme et musulman. Mais ici, ce ziarat de Jammu, ils viennent ensemble, pas dans l'acrimonie, mais dans l'harmonie parfaite. Vers la fin du 18e siècle avant Christ, un garçon a grandi vers le haut dans le domaine du Kerala, à la différence d'autres garçons de son âge qui ont été profondément immergés dans l'étude du Vedas. Par l'âge tendre de 12, qu'il avait internalisé l'enseignement et noyé de la non-dualité d'Advaita, du monisme absolu, une réalité simple, un vrai, un Dieu, et était maintenant Adi Shankaracharya. Ayant entièrement éprouvé son héritage spirituel par une étude profonde des scriptures qui l'a précédé à autres et éprouvé cet héritage en visitant physiquement de grands lieux d'études et les saints Teratas en traversant le pays à pied. Son voyage a commencé vers le haut du nord, en puissant Himalaya, la demeure de Dieu. On dit que Adi Shankaracharya
a visité la Cachemire beaucoup de fois. Il a visité la première fois ce temple de Shiva, elle qui était aussi vieux que le temple lui-même. Sashtanga pranatisthirva bhuvita etat samastam maya sankalpena samarpitam tava vibhu pujam gruhanam prabhu. Tandis que personne connaît la date exacte identifiée, on dit que la structure originale est établie autour de 220 avant Jésus-Christ, avec de beaucoup d'une alternance additionnelle aux dates ultérieures. Ce qui est cependant unique au sujet de ce temple est son architecture. Une fois observé à distance, le temple ressemble à un chilvin énorme qui est touché par le premier rayon du soleil. Pendant qu'il se lève chaque matin, où c'est ici dans cette tranquille et beauté d'entourage, et que Adi Shankar Charya a vécu et médité en harmonie parfaite avec ses environnements. Cette caverne minuscule au-dessous du temple était son demeure humble. Bien que c'était bref association, c'était assez fort pour le temple être longtemps connu par son nom. Ou peut-être, c'est ici qu'il a entièrement éprouvé les profondeurs sur le monisme, au-dedans et en dehors. En ces périodes de différence, quand des différences entre les personnes, leurs pensées et croyances sont expliquées en termes de désaccords entre la civilisation. Il était difficile de croire qu'il y a longtemps qu'a vécu un homme. Beaucoup se sont considérés d'être divins, qui ont eu la capacité d'établir sans effort ce lieu entre les jeux d'appartenance différents de la croyance. Noun Richi, Sheikh Nourdin, Cheikh Janan Richi, Oul Alam de Cheikh, comme autant d'autres adeptes, était né dans Kamoun avant Jésus-Christ en 1375 à Cachemire. Ce printemps est où il était baigné la première fois. Cette caverne où il méditait pendant 12 longues années, il a émergé et s'est immergé lui-même dans le divin, mais toujours un fils de la terre qui a parlé aux personnes en leur propre langue, en utilisant les métaphores qu'elles pourraient identifier avec. Il a dit, « Laissez les socs soit vos abolitions de bancs de bain. Exécutez le bien, que le fardeau soit la conscience. Abandonnez le souci de quitte, et les parents labourent la terre sont égaux à lire le Coran.
lis cela correctement. Pour essentiellement, Noun Rich était un saint du peuple. Une icône pour nouvel islam de foi qui prenait racine et également pour la terre dans laquelle elle prenait racine, qui apportait dans elle des siècles et de la sagesse, de spiritualité, de la religion préexistante d'hindouisme. Il s'est enchâssé dans lui-même comme un exemple vivant, le meilleur de tous les deux, pour que le palmeur suive, assurant qu'il n'y avait aucun désaccord ou collision entre les deux et également une continuation de la façon de vivre de Cachemire. Une fois que vous savez la vérité, pouvez-vous limiter les cinq sens? Autrement, vous pouvez continuer à plier votre corps cinq fois et à appeler son amas. Mais seulement quand vous avez uni Siva et le vidé chez vous, vous aurez offert le vrai et intérieur namaz. Comme tous les grands saints de Bhakti et de Sufi prêchant l'unité avec le divin, l'harmonie et l'égalité, à travers l'Inde en ce moment-là, Noun Rich a également résumé cet esprit d'unité, comme prêché contre tous les dogmes, les rituels et la haine au nom de la religion. Qu'il a passé ses derniers jours chez Ripuan jusqu'à ce que le reste mortel était tendu pour se reposer chez Charar et Sherif. Dans la vie comme dans la mort, il est resté un peuple saint, indépendant de la religion. Jusqu'aujourd'hui, hindous, les musulmans et sikhs prient à lui comme leur propre possédant. Juste comme il les avait enseigné, cet amour est la seule échelle qui le peut porter à Dieu. Saïdan Wali et Chamlian étaient les villages jumeaux avec les arbres communs, les oiseaux, les récoltes et même un saint commun, Dalip Singh. Manha Dalip Singh ont eu un grand suivi dans le secteur et bien qu'un hindou musulman est loin de passer hindou et sikh en nombre en tant que ses disciples. La légende indique un jour, Dalip Singh a été assailli et a décapité son chef qui a été enterré à Chamlian et son corps au village de Saïdan Wali. Jumeaux aussi font pèlerinage, tous les deux et leurs saints. Chamlian est devenu un peu plus important. Pendant que Babaji indiquait un de ses palmeurs dans un rêve, le seul dispositif trembleur et l'eau sorbée pouvaient traiter toute n'importe quelle maladie de la peau. La diffusion et les victimes de la renommée de Chamlia sont venus de près et de loin à la recherche d'un traitement rien changeant pendant 300 ans. Chaque deuxième jeudi du mois d'Achat, les deux villages célèbrent un mélange ensemble dans la mémoire de leurs saints. Et alors, la séparation est venue. Les villages jumeaux ont soudainement fait se fonder d'une frontière, Sadawali, intermédiaire au Pakistan, et Chamlia est devenue une région de l'Inde.
Pour les disciples du Baba Dalip Singh Ji, c'est comme si le corps de leur Baba avait été divisé de nouveau, de ces choses principales empirées avec le temps. Les pistolets et l'artillerie ont noyé le bruit joyeux des tambours. Là où les fleurs yues et les chadars venus pour payer l'obéissance sont venus mises à faire l'aveugle blessant, les chirines et l'esprit de Baba Chalia. Unki jo firing hai Pakistan ki bahut zabardast aati thi. Jab hum kheti karte the to wo hamare upar goliyon ki bachhor kar dete the. Mais cette année, après une longue période, des ouvertures de la paix en Inde à l'aise le fruit. Après la grande persécution, les gardes du Pakistan ont accepté l'invitation des forces de sécurité des frontières indiennes de participer au Mela du 24 juin. Le deuxième jeudi au mois d'Assa, encore une fois, les pistolets ont pris silence et le tambour a succédé. Un groupe de gardes du Pakistan, leurs familles et leurs représentants locaux de Shaidan Wali sont venus avec des chandards et des fleurs comme offrande pour Shamlial, des camions citernes contenant des dispositifs trembleurs, l'eau, la terre et sorbets ont été envoyés comme prasad du côté indien. Une multitude d'humanités des deux côtés, durs fatigués pour attraper un aperçu de l'autre, un voisin si loin et si près. Le Mela de Shamlial de Baba était de nouveau une occasion joyeuse, car ses disciples et de deux côtés passagers ont oublié les différences pour célébrer, avec les références et l'amour dans la paix une fois encore. Les Indiens prient rarement dans le silence ou seuls. Ils aiment prier ensemble et s'assurer que leurs prières sont entendues. À travers l'Inde, la communauté avec Dieu est une célébration joyeuse de la vie. Chantant et chantant encore sont de partie inhérente et intégrante de toute leur foi. Même leurs religions qui sont venues de loin et ont pris racine dans les sols indiens, bientôt évolués et adaptés à ce milieu social, les idiomes existants d'internalisation et les pratiques. Vous pouvez voir ceci à Jammu et en Cachemire aussi bien, tandis que les monastères dans le son de Ladakh avec chants et cymbales. Le Ziara et les temples de la vallée et du Cachemire ont leur propre code de rituel qui peut-être ont plus en commun entre eux que d'autres parties du pays. Parce que l'islam n'est pas arrivé avec épée ici, mais il est venu comme une brise douce, transformant lentement le temple de Kanekas. Comme les hommes sages et philosophes se sauvant de leur propre pays en Asie centrale, en raison de la persécution religieuse, arrivés au Cachemire cherchant refuge. Ils se sont sentis en sécurité dans leur terre adoptée et ont commencé à prêcher leur foi.
dans les kanekas et les ziarat qu'ils ont parlé d'un Dieu, d'une vérité, d'amour pour être de camarades. L'humilité et l'exactitude, ceci au local a ressenti non nouveau, mais familier, non différent, mais apparenté aux locataires de base de leur propre foi à chaïvisme monistique. Ainsi, bientôt la nouvelle foi a pris racine, comme elle est adaptée à ce nouveau palmeur de la croyance historique. En effet, un contrat a été signé pour sauvegarder ses croyances, dont l'original se situe dans la chambre forte profonde à l'intérieur du vœu Kaneka du Surinagar. Le contrat indique la permission de continuer à chanter le nom du Seigneur à haute voix et ensemble. Et ainsi jusqu'aujourd'hui, dans le Darout de la Cachemire est une partie intégrale et inhérente de la foi de prière. Verset dans le livre saint qui était chanté à haute voix dans un groupe par fidèles dans la pratique qui peut être unique pour Cachemire. Comme ces antiques murs kanekas retentit avec beauté et sainteté de chanter, tout dans proximité, sensation de paix et un avec leur créateur. Une légende d'art sublime nous dit que l'Ochawa Rishen Zampo voyageait à travers la longueur et le souffle Ladakh dans une mission dure. Ayant venu de toutes directions des esprits, il était en recherche d'une tâche idéale où des temples dans la louange de la lumière pouvaient être construits. Temple qui serait unique. Mais tout ce qu'il a vu était désert. Collines stériles, rigides, vallées et dunes. Il a vu la coucher du soleil plusieurs fois, car il a vu la lune se lever, mais la tâche parfaite le lidait toujours. Une petite distraction, il s'est reposé profondément dans la méditation inspirée. Il a choisi une tâche et a planté son personnel en bois là-bas. Et a fait un serment qu'il s'est retourné si un personnel aurait pris l'éclat d'objet de quitter, le temple serait construit bien là, chez Alichi. Le personnel a pris l'objectif de devenir un luxe arbre sacré jusqu'à la date présente. Et en vrai dire, Rishen Zanpur a commencé le travail dans le temple. Maîtres, artisans, artistes étaient invités de différentes régions de l'Inde, venant particulièrement de l'Inde centrale à ce désert pour créer la magie. En effet, les écorcorps ou l'esclave religieux chez Alchi est unique. Ce mural de peinture ornant ce mur, toutefois, c'est presque identique dans le modèle
et l'esprit a trouvé dans le caverne d'Ajanta. Les temples chez Alchi sont presque tout à fait le survivant unique du modèle pré-tibétien du Coran de peinture bouddhiste et d'art en Inde en ce moment-là. Abandonné il y a des siècles comme endroit de culte régulier d'Alchi et toujours un emplacement sacré maintenu par le monde likis d'un monastère voisin. Il y a une belle chanson folklorique également qui décrit comment Alchi a obtenu. Une légende nommée nous dit. Kyunki Darya Sindh ke upar koi pul nahi the. To Alchi to pehla gaon tha. To yahan se hamare raja maharaja jo us waqt logon ko aise hi काम के लिए लाते थे तो वो लोग बिल्कुल ना सुना करते थे इसलिए ना सुनाई को हम हाल चिंते बोलते हैं मैं से peut-être vrai quand les mecs capables ont été exigés qui peuple de lointain et de proche venu sur leur propre point imbibé dans sa bonté de temple et également qui d'Alchi peut-être créative divine et humaine à son meilleur Désirant ardemment, il était une fois, il y a bien longtemps, quelque part dans une ville appelée Akmor. A vécu un traîneur appelé Tula, ses peaux ont été connues loin et au loin, non seulement pour leur mélange fin d'argile et de l'eau, mais également en raison des fleurs sur les peaux que sa fille Sony a dessinées. Les siècles ont passé depuis que Tula a fait les peaux, et le Sony a dessiné des fleurs sur elle, mais ici dans cette région, leur vie de légende dessus. Mirza Saiban, Sony Mahiwal, Hir Ranja, Sassi Pounou, tous les amoureux récits considèrent vécu et a aimé sur la banque de Chenab. Kyonke is Chenab de pani de vich hi ishq hai jada ke unna nu apne nu ik dooje naal khichda si. Mais c'est également dans ces eaux même que la maladie de Sony Mahiwal, graisseur romantique, commença à croiser sa fin. Le 9e jour du 9e mois, pendant que le dernier rayon du soleil se noyait dans les eaux du Chenab, Sony, avec sa marmite à moitié cuite sur son chemin de garde de son street avec Mahiwal, et côte à côte, ils l'étaient trouvés les jours suivants ensemble dans la mort, sinon dans la vie. Qui était ce Sony? Ce qui lui concerne est que des siècles après son amour ardent pour Mahiwal soit consommé, alors que les deux continuent à inspirer des poètes, des artistes, écrivains et également des gens ordinaires. Balak Ram est un peintre de panneaux renommé dans Akmor, mais toutes les fois qu'il a un moment à épargner,
il exquise sa musée, Sony. C'est son matérialisme, elle n'est aucune mythique, mais une création de son sol. Le même sol où suffisme a pris des racines et a flétri et l'amour mortel sont devenus apparentes au culte de Dieu ici, sur la frontière entre l'Inde et Pakistan, dans le village d'Amourpour. जैसे बताते हैं लोग भाई सोनी महिवाल का मंदिर वहां दोनों की तस्वीर थी पत्थर की बनी हुई ये दरिया बह रहा इसके बीच मतलब बह गया वो मैं apparemment juste à travers le fleuve de l'autre côté au Pakistan il y a un arbre avec une image de Sony gravé là-dessus la ligne des Rajiv est parvenue à diviser leur terre et leur fleuve mais ne pourrait pas diviser leur légende Sony vit de même que Radiwal dans les deux côtés de la ligne de Radcliffe, dans leurs chansons, dans leurs poèmes et dans leurs métaphores. En 1835, Mr. Vigne, un voyageur anglais visitant Batcholi, a écrit au sujet de bazars négligés, dilapidés de ruines et également à ses peintures merveilleuses dans lesquelles il semblerait que les peintures avaient les couleurs de l'aube et d'arc-en-ciel sur leur palette. Rien n'a changé. Les bazars continuent à sembler négligés. Bon, les ruines sont dans les maisons à une colline de Bat, mais exudant une, aura de bonnes puissances, la propriété d'un être passé et les peintures continuent à fasciner. Il était autour de 1640 pendant le règne de Rajapal de Batcholi, qui par ailleurs était un favori à la cour de Shahjahan empereur, qu'un modèle distinctif de la peinture a émergé. Cette technique était celle de l'école de Mughal, mais elle a eu un esprit qui était très personnel. Différents des Mongols miniatures peintures ont reflété la beauté d'environnement d'artistes. Les paysages de collines de Siwalik, leurs flore et faune, elles sont également dérivées de l'inspiration de l'érotisme, de la littérature Sringar, dans la poésie des sanskrites et des hindis. Ce qui les a vraiment placés distants, cependant, était l'utilisation audacieuse des couleurs primaires qui ont été faites à partir de pierres trouvées dans le fleuve et qui sont venues de fleurs, des arbres et des buissons tout autour des artistes, un autre dispositif unique et la forme distinctive de l'œil, l'œil de Batcholi. La vigueur primitive, intensité sauvage, était des mots employés dans l'ensemble distingué au courant de la délicatesse des miniatures de Nabad pour décrire les peintures de Batcholi. Par les années 30, leur vigueur barbare avait été identifié comme le berceau de chacun des quatre centres de la peinture de collines et faisait des vagues internationales. Malheureusement, dans Batcholi, l'histoire était différente. Us waqt mujhe yaad hai ki mere dada ji ne Amritsar se ek bhai vyapari aaya tha, wo 50-50 rupaye se painting le gaya tha. La Ramniwas Pada de Vaid est connu car il est un descendant direct de Raj Vaid, des médecins de Batcholi ou de rois
qui ont reçu ces peintures en tant qu'éléments du patronage royal. ये आर्ट जो है ये वर्ल्ड फेमस है अगर ये सिर्फ बुक्स में ही रह जाएगा अगर हम लोग नहीं करेंगे Malheureusement, sa crainte semble être vraie. Pendant que Bacholi glisse plus loin dans l'obscurité et l'intensité sauvage de peinture de Bacholi tient la cour ailleurs. Un jeu sans règles, pas aucun qui apparemment suit. Un jeu où l'homme et la bête rapprochent la synchronisation parfaite. Un jeu qui n'est certainement pas pour briser l'ensemble de la faiblesse. Bienvenue au jeu de polo, comme cela est joué dans la DAC. Ladakhi, polo rough and tough. There is no fall. You need that. ज़्यादा fall की तरफ ही रहो. Danger की game सबसे. As compared to down की polo की. यहाँ का danger crossing बहुत होते हैं. वहाँ तो dodge देके polo खींचते हैं. यहाँ तो dodge उस पीछे सीधे खींच के ले जाए. Bien que ses origines soient perdues dans l'obscurité, on croit généralement qu'il est venu dans le mariage avec la princesse Kian Khatoum de Balti, mariée du roi Janyang Nagyal. Les fêtes et les polos pendant des siècles a été un sport très populaire dans ces vallées raboteuses de montagnes, de chaînes de l'Himalaya et de Karakoram. En Inde, l'Adache dans le nord et le Manipur dans l'est sont les deux derniers bastions de suivi du polo dans ces avaras très différents. Il n'y a aucun charak ou changement distingué des bâtir intermédiaires ici. Les pas furieux. Le jeu continue et le tempo est maintenu jusqu'à l'extrémité. Indépendamment des hommes aux chevaux, la musique est autre nécessaire qui doit être dans le match de polo dans la DAC. Surnom de cannelures et de damas, le tambour comme excitation sur les augmentations de chants, ainsi font le battement du daman. Et la note du surnom. Les musiciens s'assurent que l'adrénaline continue à couler rapide et plus rapidement encore. Même maintenant, un jeu de polo dans le sol où les charagans de village signifient qu'il y a juste deux catégories de personnes, de ceux qui jouent et de ceux qui en effet encouragent. Pour être une partie de l'équipe de village, jusqu'à ce que récemment a été considéré une question de grande fierté. Cependant, le progrès, le développement et la globalisation ont pris leur péage. Les gens du pays ont peu de temps ou inclusion pour un jeu qui, par le passé, considérait le roi de jeu et le jeu de roi. Mais pour ces hommes et d'autres, peuvent choisir de jouer de quel que soit le jeu qu'ils souhaitent. Pour eux,
Il n'y a qu'un seul intéressant jeu, et c'est ce qu'il joue. Sur la route nationale, comme ce qui conduit de Srinagar à Jammu, les arbres soudainement de sol et de feuillets mènent aux battes de cricket dans les deux côtés de route de chaque taille et font à point les paysages comme des champions. Parce que nous sommes maintenant dans l'Ulmula, où chaque famille est impliquée en faisant à ces battes de cricket les arbres de sol qui se développent autour d'eux, fournissant des bois dans l'abondance. Alors la fabrication et la vente des bas de cricket est une affaire de chacun. यहां तो सब तकरीबन सारे यही काम करते हैं, कम से कम 100-150 परिवार ये काम करते हैं इस इलाके में. Mais il n'était pas toujours comme cela. L'Ulmula est devenu le centre de l'industrie indienne des bas par défaut juste après la séparation. Le sport et les bons fabricants de Jalandhar étaient vraiment nuyants. Tous les fournisseurs étaient soudainement à travers la frontière du Pakistan. Sa recherche l'accomplit à l'Ulmula, la maison du sol où le verre cependant est connu localement. उस वक्त ये पानीर सपोर्ट उसका एक मिस्त्री यहाँ आया था, फिर उन्होंने वहाँ से एक बेंडसा और ये एक डीजल इंजन लिया, और साथ ही उन्होंने कारीगर भी वहाँ से साथ लिया, जिन्होंने उसका फाउंडेशन यहाँ बनाया, सब कुछ किया था. तो पहले वहीं से मिस्त्री लाना पड़ता है, बेड बनाने के लिए भी, हैंडल बनाने के लिए भी, हर चीज़ के लिए भी वहीं से ही लाना पड़ता था. लड़के भर्ती हुई हैं, उन्होंने सीखा, फिर धीरे धीरे काम चालू हो गया. Un arbre de sol prend 15 ans pour mûrir et le meilleur bois de qualité est employé pour faire le bat. Car le bois chevronné passe par de diverses étapes, sa destination finale est d'atteindre le main bien connu à travers le monde et de créer la magie. Il reçoit le contact final de finissage avec un épanouissement. Quand le point est fixé à la main sur la batte, la point est faite à partir de la canne, particulièrement du Kerala et d'Andaman, qui peuvent fournir le batteur la force et la flexibilité de frapper dur et ainsi la boule qu'un produit véritable national parce qu'une indice national est soutenu. Au moment de la Coupe du Monde, ou quelque importante série, où un Ulmula se réjouit pendant qu'il signifie plus d'affaires, plus du travail. Dil khosh ho jata hai, hamare ye bat istemal ho jata hai, bikri badh jata hai. Le temps libre est dépassé. Bon, évidemment, en faisant quoi encore, sinon de jouer au cricket. Thank you.
Pour la masse huileuse amenée d'une chèvre sous ouatine pachme, Pachemina ou Cachemire a depuis immortel de temps été beaucoup trop embêté de plus. Il a inspiré de guerre, affiché comme symbole de statie et doué avec élan et reçu avec plaisir. Même dans le Vegas, les Ramayana et d'autres sculptures antiques de trouvées de l'Inde ont détaillé de références pour ça. Géographiquement, l'histoire des Pachemes commence en ces hautes montagnes élevées. L'installation Vedas décrit les pays des Halles de l'Inde, bassins comme l'Hindou ou le fleuve et le secteur autour du fleuve d'Iravati, du Ravi, comme nous le savons aujourd'hui. Elle nous informe également que les moutons de la région plus grande de Garana, connus sous le nom d'Avi, sont considérés à fournir de meilleures laines. La légalité peut être intacte, tandis que le pacham le plus fin vient de Ladakh, certains des châles tissés par la main, la plus molle sont faites dans le Bacholi, une ville obscure dans la banque de Ravi près de Jammu. Châles de Pachemina sont encore tissés à la vieille manière ici. L'art fait dans la vallée de Cachemire sont ceux qui sont terminés célèbres du monde. De l'endroit de son origine, le Pachemina a lointain parcouru et au loin juste le jour de vallée d'Hindou. Par la soie conduit, Doshala, comme on l'a connu dans le Moyen-Âge, atteint par Hindi ou ce qui appelle Charles, devenu seulement le Charles, pendant qu'il voyageait davantage d'ouest de la redevance européenne, s'est drapé dans son hypnus doux. Tandis que son entraide demeurait constante, des techniques et des conceptions continuent pour évoluer et changer, devenaient de plus en plus raffinés et complexes. Même les caprices et les fantaisies du roi, en tant que ce dernier trace le châle donnant le groupe complexe du lac Lal Suger. Si populaire était le châle au XVIIIe siècle en Europe et que les fabricants britanniques et français ont commencé à produire les imitations faites à la machine en masse. Cependant, en Inde, traditionnellement, un châle simplement de pachemina signifie habituellement que la famille entière a été impliquée aux diverses étapes de sa production, qui quelquefois peuvent prendre une année. Les aînés de femmes, particulièrement ceux du quart de la palme, les préparant pour tisser, après quoi les personnes masculines tissent et teintent le châle. La broderie normalement est faite par les hommes et les femmes. Dans cette histoire de pachemina, juste comme le pachme continue à venir de ses crêtes neigeuses et transformé en beau châle par des mains habillées juste un tissé ou brodé lambi, au paisley, les lettuces movies de l'Inde continue à être l'une des conceptions les plus populaires qui ornent ce châle. Quelque chose ne change pas avec le temps. Thank you.
Cachemire, historiquement, géographiquement, a toujours été la creuse indienne. Être à la croisée du chemin a créé dans ces montagnes et vallées un excitant mosaïque de crises croissant souvent les sublimes influences. Mais savourez les actuels goûts de ces interminables influences. Vous devez vous embarquer dans un voyage gastronomical. Voyagez à un petit coin de Srinagar, du centre connu sous le nom de Wazapur, la ville de chef. Chaque coin, les rues de Wazapur, existe aux facilités de son métier en chef de résident qui est de faire la cuisine. Ou devrait-il dire, créer un repas raffiné. Pour le Wazalmen n'est aucun repas ordinaire, mais une expérience culminée comme aucun d'autre. Mais ce mariage final des influences, des recettes et des ingrédients de cuisine indienne de casserole a souvent signifié que beaucoup de mariages dans le vrai l'a fait remettre à plus tard parce que le hasard de famille a été surversé et n'a aucun temps pour préparer le repas du mariage. Wazmans sont normalement tenus pour célébrer une occasion et beaucoup de préparation s'est fait entre eux. Une fois que tous les ingrédients ont été rassemblés, l'équipe de Waza a obtenu du travail sous la surveillance stricte du chef principal de Waza de Vast. Des quantités époustouflantes de moutons sont coupées, découpées en tranches, martelées et rectifiées pour faire cuire les plats traditionnels tels que les rista, Goshtaba, des masses goran de tabac, des jauges faisant cuire tout est fait sur un feu en bois dans les pots couverts. Le Waza transmet les recettes que l'art a souvent étroitement gardées des secrets de famille du père au fils. Tandis que les timbres de Naba, Sikh, Dogra, la cuisine perçante et faisant cuire le modèle est évident de condiments et les épices avec d'autres ingrédients viennent de pratiquement tous les coins de l'Inde, comprenant les méridionaux plus que donnent au Wazarwan que le saveur distincte unique. Pour le Wazar, le goût de pudding se situe réellement dans le manger pendant qu'ils voient leur goût d'inviter chaque bouche. Mais pas pour longtemps, c'est la saison du mariage dans le rentrant au Wazarpur. Ils doivent commencer la préparation pour le prochain Wazarwan. Dans ce rieu de labyrinthe vers le bas de ville Srinagar, juste peu une partie de Zaina Kadar et le tombeau de Shah, le bourgeon, comme je l'aime, coule presque sans ondulation. Une paire de mains et habillement au travail dans un atelier qui est plus un génie vraiment. Le bout de 8 générations des artisans, Ramandu, est peut-être plus un artiste. Pendant qu'il s'assied dans son atelier formant, des blocs de bois et de transformer en instruments capables
et de l'émission sublime de notes de la musique. यूं ही लकड़ी का एक टुकड़ा इधर से उठाएंगे वो क्या बेजान है उस वक्त जब हम उसको जान देंगे जुबान देंगे फिर ये बजाएगा Il faisait presque tous les instruments rabat sitar et c'est le sandos qui est sa spécialité c'est un instrument de corde et un descendant direct de ved venant un des plus vieux instruments musicaux trouvés en Inde comme Ramanju les regards fixés sur le jaloum découle de sa fenêtre, un moment où les soirées et les bitards et les calendes musicaux de Soufiana étaient une partie de vie quotidienne. हाँ हाँ होते थे बैठक लगती थी इधर वो बजाते हैं उधर बैठते हैं बुजुर्ग लोग सुनते हैं सूफियाना मूसिकी. Alors les vents malades ont soufflé, changeant tout pour toujours. Ces vieilles traditions musicales de siècles-là était fronter les sourcils au moment où est presque devenu tabou. क्योंकि कुछ disturbance भी हुई है इसलिए वो साज अब चलते नहीं है. Pandi, qui est joué à gauche et a enseigné au Santosh, la vallée dans le terreur laissant un silence et un vide. बहुत आनंद से बैठते थे वो पंडित लोग जो जब पंडित लोग यहाँ से चले गए उनका शोक भी बैठ गया वो. Avant que la normalité soit retournée, les goûts avaient changé peut-être pour toujours. On est aujourd'hui dans le zamane mein yahi samjho yahi dance shans wagaira aisa hi filmi gaane aaye wo khub khush hote hain. Mais c'est une question de la fierté tranquille pour Redmanju. Tous les exposants célèbres, ces jeux santos d'instruments qui ont été faits par lui, car il fascine des auditeurs au pays et à travers le monde. जब कोई साज बजाता है ना हमको मालूम पक होता है कि यह हमारा साज है जब किसी और का साज होता है वो तो मालूम पड़ जाए वो हमारा नहीं है Pour lui, son travail n'a jamais été simplement juste de vie, mais... ऐसे लोगों को समझना चाहिए यह इबादत ही है Ainsi, il continue à s'asseoir dans son petit coin formant une seule main des blocs de bois dans la mélodie divine capable d'instruments. Oui, c'est l'air pour toi. Une rangée hallucinante de vues, de bruits et l'odeur massage ayurvédique de Kerala, les marionnettes ghanéales de Rajasthani, méditant sérénité à côté de masques tibétains et Natraja. L'air semble comme un smorgasbord spirituel. Culturel, esthétique, mais cette amalgation impressionnante n'est d'ailleurs rien récente. Pour toute son inaccessibilité semblante par le siècle, l'air a été au centre des réseaux complexes itinéraires commerciaux.
Punjab aux caravanes de l'Asie centrale portant des épices. Le thé et un tel autre exotique ont pris approximativement 2 mois à l'extension, voyageant sur les routes montagneuses rocailleuses. Le bouddhisme également a voyagé de la même manière. Il semblerait avoir été parfait pour se mélanger des influences, faisant l'aide une maison à mi-chemin pour le monde pendant des siècles, pendant la labyrinthe de rues de ses œuvres traditionnelles. Internet et bazar frottent des épaules avec des métiers traditionnels, même pendant que les femmes de villages voisins vendent des légumes frais et les fruits, tout dans un rangé, tandis qu'elles constamment tournant les filets de pachemina avec leurs mains, comme elles ont depuis les airs. Peut-être nulle part dans le monde trouvant un monsieur sikh dirige une boulangerie allemande qui est la plus incroyable, qui est consommée par des clients consacrés des Israéliens d'expat. Quoique la Dak en général et des fêtes de l'Aigle en particulier, toutes les métaphores comme membre de l'organisation du théâtre de la Dak, l'Aigle préparé pour un jeu adapté, sac et spice, chez les scientifiques tout pas inégalisant, toutes les barrières de langue, culture, civilisation est disparue pendant que l'universalité des émotions humaines prenait l'étape centrale. Le résultat était la magie, la pure magie.